Internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un compagnie de personnes. Parce qu'enfin oui, il y a des gens dans mon channel, mais ils veulent pas parler, ils veulent pas être dans la vidéo. Mais aujourd'hui c'est bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la base elle a un petit peu changé, il y a quelques nouveaux trucs à vous montrer. J'ai décidé de vous faire une base tour update, si on peut dire ça ainsi. Et terminer avec une compétition. Non, pas une compétition, ça va être un 1v1 contre quelqu'un. On va essayer de faire un 1v1 contre un abonné ou quelqu'un. Donc dédicace à Vastor qui m'a fait un beau message. J'ai bien aimé. Hi. Ça m'a fait plaisir. Donc voilà, donc je vais faire un petit boss tour et une petite boss tour parce qu'on a fait des petites modifications. On fait des grosses modifications en live aujourd'hui. Donc voilà, je me dois de vous le montrer. Donc, commençons déjà par remercier une grosse dédicace à DeCoco67. C'est qui lui? C'est toi? Et qui nous a fait, tu veux AFK là si tu veux, ok. En gros, qui nous a fait des dons de spawners, donc 4 spawners. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a rajouté 2 spawners ici. Et on a pas vraiment modifié d'autre chose de ce côté-là de la base. On a juste rajouté, on a rajouté des potions, donc des invisibilités, des poisons et aussi des fire resist. On en a fait jusqu'à là. On a refait des potions en gros, c'est tout ce qu'on a fait. La chante canassique est toujours la même, ça n'a pas changé. Ensuite ici, les blazes toujours même. Tu peux farmer les blazes, il y en a 64 si tu veux te faire un niveau 30, t'en as besoin d'en tuer 30. Qu'est-ce que t'as fait? Ok, tu les blazes. On a rajouté un under chest ici. Et puis j'ai reçu des gros dons, donc des œufs de creeper, des pioches, des P4, tout ça. Je vais vous montrer tout à peu près tout ce qu'on a eu. On a eu beaucoup de P4 quand même. Enfin, ouais, on a eu à peu près tout ça ici, là, des pièces de P4, donc quand même assez stylé. On a eu aussi des épées. Et voilà. Je me suis fait aussi une épée Seed Touch, une pioche Seed Touch. Donc voilà, comme vous voyez, le fer produit beaucoup plus qu'il produisait avant. Les virus du Nether, même chose. Bon, on n'a pas tellement changé, mais on va faire un système automatique. Donc je vais sûrement faire ça dans la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais le faire, puis je vais vous montrer après qu'est-ce que ça donne, vous voyez. Ensuite, on a rajouté une table d'enchant ici. On a gardé les systèmes de four. On a enlevé les spawners ici. Et on a préféré mettre... Des melons automatiques, donc je vais vous montrer tout ça après. Et ici en bas on a des creepers, donc vous pouvez voir des creepers. Donc c'est un peu dommage parce que les creepers se stack, donc exemple ils se stack, ben ça nous fait perdre exemple 3 poudres. Mettons qu'ils sont 4, ben on va juste récupérer une poudre, c'est ce qui est dommage. Mais bon, je vais vous montrer vite fait les melons. Je vais aussi vous montrer le spawner à creeper. Donc premièrement ici on a l'anti-FK pour les pics zombies. Personne n'est AFK pour l'instant. Ensuite ici on a ben pour modifier les spawners et encore des problèmes. Des fois on modifie ceux-là en mob qu'on a besoin. Par exemple on a besoin des zombies, ben on va modifier, on va avoir des zombies, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça qu'on a laissé sous ouvert. On a 3 machines à melons automatiques, donc 1, 2 et 3 au fond là-bas. Les melons spawn et ensuite ils tombent dans les hoopers. On en perd quelques-uns comme ça, comme vous voyez eux ici. Mais c'est juste 6 ou ça arrive pas souvent. Et tous les melons, voilà, ils... C'est plein. Ok. Ben, il y a un truc qui est coincé. Ok, faut réparer la machine à melon, les gars. Les gars. Putain, qui a fait de la merde encore, là? Putain, ok. La machine à melon est cassée, les gars. Oh, putain, je suis retombé de l'autre côté, super. Ouais. Hey, c'est facile, tu viens de parler? Ouais. La machine à melon, elle est cassée. Je suis en vidéo, là, par exemple. Je sais pas trop, la machine à melon il se stack dans les hoopers, mais what the fuck, t'as fait quoi? Ouais, ils remplissent même plus les dans les coffres, mec. Les coffres se remplissent plus. Il y a un souci quelque part ici. Dans un des hoopers qui est ici. Ils sont tous en bonne direction, je comprends pas. C'est ici qu'il y a un problème là. Regarde, c'est ici qu'il se stack, ouais. Bon, tu répareras, je te donne de la stone pour réparer. Tiens. Je vais continuer le basse tour. Mais en gros, ici on récupère les melons de ce côté-là et aussi de ce côté-là. Donc comme vous voyez ici on récupère les melons. Ça va super vite, on vient. Je les ai vendus juste avant que je commence la vidéo. Ici on a les coffres pour les piggies, donc l'or. Et on a les piggies. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Table d'enchant, je vous ai déjà montré. Ensuite on va remonter en haut. Je vais vous montrer le spawner à creeper. C'est ce que j'étais à la base parti vous montrer. Donc c'est tout en haut. Donc voilà la machine à
Maintenant, je vais les remontrer après si vous voulez. T'as récupéré un Looper. Non, j'ai pas récupéré le Looper. Il est tombé dans le Looper, donc il est dans le coffre. Donc, deux spawners à Creeper. On va essayer d'en rajouter plusieurs, mais il faudrait qu'on demande au staff de unstack les trucs. Probablement, ça serait pas juste pour nous, ça serait pas un avantage pour nous, ça serait pour tout le monde. Tout le monde qui veut faire des farms à Creeper, ben, ça serait bon pour eux. Donc, ça serait vraiment cool qu'ils enlèvent ça. On va leur demander, ils sont pas obligés d'accepter, mais c'est sûr que ça serait vraiment cool qu'ils acceptent parce que ça serait un avantage pour tout le monde qui farm. Donc, on a aussi encore la base ici. C'est pas encore fait piller, mais on a plus tellement de besoin. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que... On va... What? Nezo s'est fait kick ou quoi? Nezo, il est parti? Oh, il devait AFK. Non, il est pas AFK. J'arrive pas à réparer la machine. Il s'est fait kick. Comment ça, c'est quoi le souci? J'ai pas ça. Même j'ai remis le truc, mais ça passe plus. Attends, j'arrive. J'arrive. Ouais, on a encore cette farm-là. Il peut être pillé. Y'a rien. Personne qui est venu. C'est cool. Ok, attends. T'es où là? Le souci vient de où en fait? Ok, ok, j'ai compris. Le souci vient des hoopers des côtés. Ceux qui ramènent sur les côtés. Ici aussi, il se vide pas. Toutes les hoopers du côté se vident pas. En fait, là, je regarde tous les hoopers. Et donc, tous les hoopers, ils sont remplis de stack en fait. Ouais, essaie de toutes les vider, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Ouais, bah on va réparer la machine. Non, ouais. Je parle de ceux-là, il marche plus, la manette, il se tourne plus. Comme ça. Comme ça. C'est réparé là, non? Ouais, c'est bon, c'est réparé, mec. Ouais, ça doit... C'est bon maintenant. Ouais. Ça a l'air d'être correct. Tu peux... Oh, putain! Tu peux me donner une vérification, s'il te plaît? Tu peux me dire si c'est bon? Ok, faut juste vérifier ici. Non, c'est pas correct sur le côté ici. Ça doit pas être correct sur le côté ici non plus alors. Si de ce côté là c'est correct. Donc il y a un souci de ce côté ci. Ouais, il y a un problème de ce côté là. Ils sont tous fous. C'est à cause de l'eau. Non. Ça peut causer des problèmes là ou pas? Essaie d'enlever l'eau, voir, faire des tests. Je connais pas ça, je pourrais pas te dire. De ce côté-ci, il marche. Donc non, c'est pas l'eau, c'est pas l'eau. Il marche de ce côté-là. Non, il marche pas. Ça se peut que ce soit l'eau. Oui. Ah non, il marche de ce côté-là. Ouais, il marche de l'autre côté. Donc ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas l'eau. Ah, faut trouver le foutu problème, mec. Il marche jusqu'à un certain point. Donne une folie au peu. Ouais. Je te donne, tiens. Ah, c'est casse-couille, ça. Bon, les gars, je vous reprends quand on a réparé tout de suite. Et les gars, c'est réparé. C'est réparé, ouais. Donc, bon, ben, c'est au moins ça s'est fait. Et s'il y a un autre problème, le culot va réparer, vu que c'est un patron. Bon, je... Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je rigole, c'est bon. Pleurez pas, les copains. Oh là là. Donc, voilà, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je vais juste aller ranger ça de l'autre côté. Pourquoi t'as fait ça, mec? Pourquoi t'as fait ça? Nique ta mère. D'accord? T'as tout pété ma déco là, je sais plus comment c'était, mec. Oh putain. C'était comme ça. Comme ça, c'est bon, nickel comme ça, faites pas la merde là. Bande de bâtards. Comme ça. Boum, 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 boum. Voilà. Donc c'est bon, on se retrouve après les émiettes tout de suite. What's up. On se reprend donc. Et après un grand moment,
Plusieurs trucs sont arrivés, donc je suis mute, je peux pas vous parler, pas vous répondre. Et il y a Kilo qui est ban dans ma fac, je vais juste faire un petit F-show vite fait. Il y a Xilas qui est ban, Kilo qui est ban, Fius qui est ban. Et puis, ça en est Choton, je pense, et un autre personne, je sais plus c'est qui d'autre qui est ban, mais on s'en ban jusqu'à 72 heures en fait. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé, je vais aussi vous représenter le boss tour, et ça va compléter le spécial 80 épisode, le 80e épisode aujourd'hui, le boss tour total. Donc en gros, ouais, je vous explique qu'est-ce qui est arrivé en fait. Xilos, il a dit en blague dans le chat, il a genre spammé 3-4 fois, en gros, il a dit genre, ouais, je vends les bases les codes de la base d'icon, c'est pour 100 euros PayPal. Et l'admin, Kirari, il l'a ban pour 72 heures, donc nous, on s'est tout excités, tu sais, on a un petit vénère, parce que, enfin, tu sais, les membres de la faction, c'est comme une famille, quoi. On se protège entre nous et tout. Et puis ben on s'est tout fait ban. Fius s'est fait ban pour insulte. Culo s'est fait ban parce qu'il a fait un troll dans le chat. En gros, ben son clavier il a bugué. Ça l'a fait des symboles à chaque tu sais, ça fait des symboles à la place d'écrire, vous voyez ce que je veux dire. Et il a envoyé ça dans le chat, donc il s'est fait ban pour ça. Et les autres ils se sont fait ban pour insulte. Fius et Sandu Choton et tout, ils se sont fait ban pour insulte parce qu'ils l'ont insulté, quoi, il était vénère. Parce qu'il avait banni notre pote, tu vois. Et là, il y a quelqu'un qui est en invisible, hein, c'est clair, je l'ai vu. Et par exemple, ça me stresse qu'il y ait quelqu'un en invisible. Vous voyez, il y a quelqu'un là. Ouais, au moins, c'est quelqu'un qui est mon ami, Naskip. Enfin, je crois. Bon, c'est ça, ça nous a pété les couilles, tu vois, on s'est énervé, donc bon, voilà, je suis mute, j'assume que je suis mute, tu vois. Mais je trouve ça con de bannir des joueurs 72 heures, surtout que les joueurs étaient, on est super actifs, la faction. Tant que le serveur a la difficulté à avoir des joueurs, enfin, ban 72 heures pour ça, vous auriez pu mute pour troll au moins, tu sais. Vous auriez pu le mute pour troll ou je sais pas, mais bon, c'est un peu ridicule de ban 72 heures pour un truc comme ça, tu vois. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur serveur, quoi. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de joueurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on s'amuse quand même sur le serveur. Bon, c'est sûr qu'ils sont un peu vénères, mais bon, aussitôt qu'ils seront bannis, on va continuer à jouer beaucoup, hein. Mais bon, voilà. Donc, passons au bastion maintenant. Donc, on a modifié ça, on a mis un mur ici pour faire la salle à potions comme ça. On a aussi décidé de faire un petit escalier ici, comme ça, pour venir chercher récolter les potions. Le spawner à Blaze a été optimisé un petit peu, on a modifié, on a mis des demi Ah, il était déjà comme ça au début de la vidéo, j'avais oublié. Il y a quelqu'un qui est autour de moi. Et ensuite, le canne à sucre ici. On n'a pas grand chose modifié, on a... Oh, ça c'est les coffres à pillage quand on arrive des pillés ou quoi que ce soit. Les spawners ici, je vais juste vite fait vous montrer à nouveau. Il n'y a pas grand chose qui ont changé. Donc, 2 spawners à Blaze, 3 spawners à Iron Golem. Voilà. Les cannes à sucre, les chandelles, ils sont pas toutes poussées, j'ai juste de le faire, mais automatique, semi-automatique, on appuie sur le levier qui est juste ici à côté de l'échelle, et boum, ça va tout se replier dans le coffre qui est ici. Voilà. Ensuite, four automatique ici, la stone, ici, la vitre, et ici, on va mettre d'autres choses quand on en aura besoin. Ici, on va faire une salle des coffres, bon, pour l'instant, on a juste mis des coffres pour vite fait se débarrasser des trucs qui étaient ici, mais on va arranger ça correctement. Les melons automatiques sont finalement réparés. Donc voilà, ils viennent juste d'aller vendus. Ce coffre-là, je viens juste d'aller le faire. Et voilà. Comme ça. On a les pics zombies ici avec une poubelle, les coffres pour les trucs, l'or. On a 3 machines à trucs. Je vais vous montrer vite fait. On va aller en haut. Juste pour un temps pour remettre la bouffe. Donc c'est un peu la même chose, hein. Même chose pics zombies. Ici, on a 3 machines. Je vous remonte un peu l'édit, quoi. On a juste modifié 3 machines encore. Comme vous voyez, on perd encore quelques melons, mais bon, on peut pas vraiment faire mieux que ça. Parce que sinon, ça prend de l'eau, puis oh, c'est compliqué. Et en haut, on a 2 spawners à creeper. Comme j'ai dit, on va essayer de voir avec les amines pour voir si on peut pas unstack les creepers, parce que ben, c'est un peu du gaspillage, quoi. Mais bon, voilà. On a ici le petit coin enchantement. Je vais m'enchanter, je suis niveau 30. Je vais m'enchanter un truc niveau 30. Ok, de la grosse merde. RIP. Donc voilà, c'est pas mal ça, la base les amis, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, screen gros abonné fidèle. Allez screen screen screen, allez on fait un petit F5, screen abonné fidèle, voilà. A plus les copains, c'est Tacons, salut.